Bonjour, je m'appelle Lamia, je suis présidente de Causière. Par rapport à mon parcours, en fait, je suis à la base ingénieure chimiste et diplômée en entrepreneuriat, donc sur Lille. Donc aujourd'hui, j'ai 5 ans d'expérience dans le domaine de la qualité de l'air. J'ai rencontré mon associé sur les bancs de la fac, en fait, à Lille. Et c'est un peu comme ça que j'ai eu l'idée de Causière, parce qu'en fait, mon associé, il avait créé sa première entreprise dans le domaine de la qualité de l'air, où il répondait à une réglementation qui était en vigueur pour les collectivités. Donc moi, je l'avais accompagné au départ un peu par curiosité et puis parce que le sujet m'intéressait. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte de la vraie problématique de la qualité de l'air dans les bâtiments. Et je voulais utiliser le numérique et apporter un vrai service d'expertise pour les utilisateurs. Donc mon associé ferme son entreprise, qui est une entreprise individuelle, et rejoint donc mon idée. On intègre tous les deux un incubateur sur Lille. On a été financé également par la région des Hauts-de-France pour vraiment démarrer et structurer notre projet. Donc on y est resté pendant 2 ans dans un incubateur. Et puis finalement, on a décidé de quitter l'incubateur et de créer officiellement Causière en 2017. Donc ça va faire 2 ans qu'on est créé officiellement. Causière, en fait, est le premier service expert connecté d'analyse de data intelligente pour comprendre, optimiser et piloter la qualité de l'air intérieur. Alors concrètement, on utilise en fait des algorithmes de calcul, notre savoir-faire d'expert dans le traitement des datas de la qualité de l'air, qui d'ailleurs provient de notre outil connecté, qui mesure donc en temps réel un certain nombre de polluants. On a aussi toute une compréhension sur les caractéristiques du bâtiment et le comportement de l'utilisateur. Et l'objectif, c'est de pouvoir apporter une vraie compréhension de son environnement, et surtout des solutions pour améliorer la qualité de l'air avec un positionnement design. Alors le positionnement design, que ce soit par rapport à l'objet connecté que l'on propose, mais surtout par rapport à la plateforme et la manière de comment on transmet l'information à l'utilisateur. Tout simplement parce qu'à notre stade de développement, nous avons certains points qu'on aimerait retravailler. Et justement, l'accélérateur propose un accompagnement qui est pour nous adapté, avec des mentors qui sont spécialisés sur certaines thématiques. Et donc de pouvoir retravailler tous ces points, de pouvoir s'appuyer aussi de la force de frappe d'un grand groupe comme Allianz, et donc de pouvoir aussi de bénéficier de cette notoriété, donc nous sommes ravis de faire partie de ce nouveau programme. Les synergies que l'on peut avoir, déjà, en tant que jeune start-up, c'est un peu compliqué de rentrer en contact avec des grands groupes. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir adapter notre solution aux clients d'Allianz, donc de pouvoir vraiment comprendre leurs besoins et de pouvoir intégrer notre solution, pourquoi pas demain, dans les offres proposées, les services proposés par Allianz, et aussi de pouvoir se créer un réseau et donc, je dirais, de pouvoir créer et de provoquer des opportunités également. Alors l'avenir de notre start-up, c'est d'améliorer déjà notre solution, de pouvoir s'implanter, que ce soit au niveau européen et pourquoi pas international, assez rapidement. Et aussi d'être reconnu pour ce que l'on fait, d'emmener Causière le plus loin possible et d'être une référence dans l'analyse des data intelligentes.